10 raisons de vendre en ligne et spécialement sur Amazon. Qu'est-ce que tu attends? Si tu es toujours en train de douter, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te proposer ici 10 bonnes raisons de mettre ton produit en ligne et spécialement sur Amazon et de le vendre pour être rentable. Je suis Alban Degoué, entrepreneur sur le web et vendeur sur les marketplaces qui sont Amazon, Etsy, eBay et même dans mon propre site. Et dans cette chaîne-ci, on parle de l'entrepreneuriat en ligne beaucoup plus et de l'e-commerce en particulier. Je partage également mes astuces, mes expériences et si vous parcourez la chaîne, vous verrez qu'il y a de nombreuses vidéos qui sont des cas pratiques, pas seulement de la théorie. Alors, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce sont des sujets qui vous parlent, si vous envisagez vous lancer sur la vente en ligne et spécialement sur Amazon dans le futur proche. En contrepartie, je m'engage à vous envoyer des vidéos chaque semaine, environ 2 à 3 vidéos toutes les semaines. Dans la description, vous allez trouver un e-book qui va vous apprendre pas à pas à vendre sur Amazon. C'est un e-book de 50 pages, il est bien complet et illustré. Je vous invite donc à aller le télécharger pour faire vos premiers pas sur Amazon si c'est votre première fois. Et si vous voulez aller plus loin, il y a également un lien pour une session de coaching offerte. Trouvez tous ces liens dans la barre de description et également sur le premier commentaire. Alors nous allons commencer avec les 10 raisons pour lesquelles vous devez vous lancer sur Amazon sans hésiter. La première et la simple raison possible, c'est parce que les ventes en ligne augmentent et les ventes d'Amazon augmentent encore beaucoup plus. Malgré la pandémie au début de l'année 2020, Amazon a doublé son bénéfice au cours des 6 premiers mois, partant de 2,6 milliards à environ 5,2 milliards à cette époque. Le chiffre annuel estimé en 2022 est de 586 milliards et sa croissance devrait continuer à augmenter au cours des années suivantes. Et également en 2020, deux nouvelles places de marché ont vu le jour, la Pologne et la Suède en ce qui concerne l'Europe. Et elles ont également entraîné une croissance supplémentaire d'environ 17% de la part du marché mondial. Tous ces chiffres, vous pouvez les trouver dans une de mes vidéos, là où je comparais vendre sur Amazon en Europe contre vendre sur Amazon aux États-Unis. Vous aurez tous les détails précis de ces chiffres et également un lien qui va vous diriger à un article pour en savoir plus. La deuxième raison pour laquelle vous devez absolument vendre sur Amazon, c'est parce que les habitudes d'achat changent. Comme je l'ai dit dans un premier temps, les ventes augmentent et ce qui entraîne justement l'augmentation des ventes, c'est parce que les habitudes d'achat changent. Non seulement les gens passent beaucoup de temps en ligne de nos jours, mais ils passent aussi la plupart du temps à faire les achats en ligne. Et en plus, ils dépensent également plus d'argent à chaque fois qu'ils achètent en ligne. Amazon a une politique qui donne la possibilité aux consommateurs de retourner les articles après 30 jours. Le client peut donc oser faire l'achat tout en sachant qu'il peut le retourner si ça ne lui correspond pas. Cette pratique augmente bien entendu les ventes des vendeurs. Surtout quand on offre un bon service, une bonne qualité de produit, on ne se soucie pas des retours. Et les achats en ligne sont devenus plus pratiques et souvent même moins chers que des achats faits dans les magasins physiques. Surtout si on compare le temps qu'on passe dans un magasin physique ou encore un shopping mall. Sans compter les embouteillages, trouver une place de parking, sans oublier le stress. Et si vous avez des enfants de très bas âge, vous savez ce que ça implique. De plus, seuls les tarifs de parking dans les grandes villes peuvent suffire à rester à la maison devant son ordinateur et faire son shopping en ligne. De nos jours, les consommateurs peuvent pratiquement acheter n'importe quoi depuis leur tablette ou leur téléphone ou encore leur ordinateur portable. Passant des petites gadgets aux gros électroménagers. Et en un clic, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent et les services de qualité livrés à leur porte, souvent le même jour même. De plus, lors de leurs achats, ils peuvent lire les commentaires, lire les opinions des autres acheteurs et se décider facilement. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, cliquez sur le bouton pour liker cette vidéo et je vous partage la troisième bonne raison pour laquelle vous devez vendre sur Amazon. La troisième raison pour laquelle vous devez absolument vendre sur Amazon, c'est parce que Amazon est devenu un moteur de recherche puissant qui concerne la recherche de produits. Pendant de nombreuses années, Google a été le premier endroit pour rechercher diverses réponses, produits et même les marques. Google est toujours très important, mais j'ai moi-même interrogé 22 personnes dans mon entourage et dans mon voisinage qui ont déclaré commencer la recherche de produits sur Amazon. Et quand je leur ai demandé s'ils avaient déjà acheté depuis une publicité sur Facebook, plusieurs m'ont fait savoir qu'ils n'avaient pas toujours le temps de se connecter sur les réseaux sociaux. On peut donc en déduire que presque 9 personnes sur 10 ont bien un profil Facebook, mais tous les 9 personnes ne sont pas toujours connectées et ne sont
pas bombardés par les publicités qui vont les inciter à se diriger vers les sites Shopify et acheter un produit. La plupart des personnes qui vendent sur leur propre site consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'argent à des stratégies marketing pour améliorer leur visibilité et la publicité sur Facebook. Et tout cela, c'est pour convertir des prospects froids. Pourtant, les personnes qui ont réellement besoin d'un produit se rendent sur Amazon pour faire l'achat de ce produit. La quatrième raison pour laquelle vous devez vendre sur Amazon, c'est que vous pouvez acquérir de nouveaux clients très rapidement et simplement. Comme je l'ai déjà mentionné dans la troisième raison, vous pouvez toucher une large clientèle habituée à acheter déjà en ligne. Il suffit juste de vendre sur Amazon. Nous savons tous que l'une des choses les plus difficiles lors du démarrage d'une entreprise ou la croissance d'une entreprise est de gagner de nouveaux clients. Amazon compte plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels. Certaines statistiques décrivent même qu'Amazon est visité environ 2,48 milliards de fois par mois. Toutes ces personnes qui visitent les sites Amazon sont déjà des clients habitués à faire du shopping sur leur plateforme et se connectent parce qu'ils recherchent un produit que vous vendez ou bien que vous envisagez vendre. La cinquième raison pour laquelle vous devez vendre sur Amazon est une raison assez controversée, mais je vais l'expliquer en détail. Vendre sur Amazon, c'est vendre avec moins de compétition possible. Lorsque vous vendez sur Amazon, vous avez les règles équitables pour les nouveaux, tout comme les anciens vendeurs. De cette façon, vous en tant que nouveau ou petit vendeur, vous pouvez rivaliser facilement avec les gros vendeurs, surtout si votre produit se démarque de la majorité. Si vous ne vendez que sur votre site avec Shopify ou toute autre chose, il est difficile de rivaliser avec les entreprises plus grandes qui sont déjà établies sur le marché. Personne ne va remarquer votre produit si Google les classe à la deuxième page, voire à la quinzième page. Sûrement, vous avez déjà entendu la blague américaine qui demande où est-ce qu'on cache un cadavre en ligne. La réponse est bien entendu à la deuxième page de Google. Au début de votre parcours de la vente en ligne avec Amazon, vous n'allez pas investir dans des milliers de produits pour commencer la vente. Vous pouvez commencer avec une petite quantité d'inventaire, l'envoyer à Amazon et augmenter progressivement. Essayez le service FBA et Amazon prend soin de vos produits et les envoie aux clients directement sans que vous ne levez le petit doigt. La sixième bonne raison de vendre sur Amazon plutôt que de vendre ailleurs est que Amazon a une très bonne réputation. Comment fonctionne Amazon pour les acheteurs? Lorsque les clients achètent sur la plateforme Amazon, ils sont convaincus qu'ils recevront des produits authentiques et de qualité et qu'ils les recevront en quelques jours seulement. Ils sont également convaincus que les informations de leur carte de crédit seront sécurisées et qu'ils ne recevront pas d'emails non sollicités de la part des commerçants, sauf s'ils le souhaitent. Par contre, avec d'autres sites e-commerce, c'est souvent l'inverse. Pour beaucoup, il faut des semaines aux clients pour recevoir leur produit. Et parfois, le produit n'est pas comme il se doit. De moins en moins, les personnes choisissent de faire leur achat dans les boutiques en ligne, où les produits sont principalement expédiés depuis la Chine. Quoi qu'il en soit, lorsque les clients achètent sur Amazon, ils n'ont pas à s'inquiéter de ce genre de problème. Ils savent qu'ils vont recevoir un bon service, même s'ils achètent vos produits, si vous envisagez vendre sur Amazon. Et vous allez bénéficier de tous les avantages que Amazon propose à leurs clients et de leur excellente réputation également. La septième bonne raison de vendre sur Amazon, c'est que les membres Amazon Prime sont les meilleurs clients. Les membres Amazon Prime sont l'un des meilleurs et les plus fidèles des clients au monde. Moi-même étant un membre Prime, je peux témoigner. Comme vous le savez peut-être, Amazon propose une adhésion Prime. Voici la liste de quelques avantages lorsqu'on est client Prime. La livraison est rapide et gratuite. Il y a des offres exclusives et des remises spéciales. Vous avez également un accès gratuit à Prime Video et à Prime Music et beaucoup d'autres avantages. De plus, il y aurait environ 100 millions de membres Prime dans le monde qui dépensent environ 1 400 $ sur Amazon par an. Si vous calculez, c'est un montant énorme et vous pouvez avoir une petite part de ce chiffre. La fidélité des membres Prime se traduit par le nombre d'avis qu'ils laissent sur les produits et vous pouvez tirer parti des informations des avis pour voir comment les consommateurs réagissent à des produits similaires et voir comment vous pouvez différencier votre produit et le vendre sur Amazon. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous également et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos qui seront publiées cette semaine-ci. La huitième raison principale de vendre sur Amazon, c'est parce que les clients qui achètent sur Amazon, en plus d'être des membres Prime, ont également une meilleure expérience d'utilisateur. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles Amazon est si populaire, c'est parce qu'ils offrent aux clients une expérience d'achat exceptionnelle. Comme je l'ai mentionné, il y a déjà dans un premier temps la livraison gratuite et rapide. Je l'ai déjà mentionné, mais je le répète une fois encore, Amazon permet
à ses clients de remplacer ou alors d'être remboursés du produit s'ils ne sont pas satisfaits. Et de plus, Amazon est responsable du support client, y compris des vendeurs comme vous et moi. Cela signifie qu'Amazon s'occupe de la satisfaction des clients à votre place. Cependant, si vos clients ont des difficultés à commander ou à expédier, Amazon va se charger également de tout cela. Si un client remplace votre produit ou demande un remboursement, c'est par Amazon que tout cela passe et non par vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer les produits dans les entrepôts d'Amazon et de le vendre tout simplement. Vous serez notifié si le produit est retourné ou si le client a déclenché un remboursement. La neuvième raison pour laquelle vous devez vendre sur Amazon et non ailleurs, c'est que vous n'avez pas besoin de site web pour commencer. Lorsque vous démarrez un business en ligne, l'une des nombreuses préoccupations est d'avoir un site. Un bon site nécessite beaucoup de temps, de connaissances et beaucoup d'argent également. Et si vous voulez donner un aspect professionnel à votre site, vous devez absolument passer par ces éléments-là pour vendre vos produits et votre service en ligne. Et lorsque vous vendez vos produits sur Amazon, vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre site, du moins au début. Vous n'avez pas à vous soucier des divers services d'hébergement, de référencement, de se trouver à la première page de Google ou autre chose. Et tous les systèmes de sécurité également pour protéger votre site. Tout ceci implique des coûts, du temps et du professionnalisme dont vous n'avez pas besoin lorsque vous lancez votre produit sur Amazon. Bien sûr, c'est toujours une bonne idée de considérer avoir son propre site tôt ou tard. Et surtout lorsque vos ventes décollent et que vous commencez à faire de réels chiffres d'affaires sur Amazon. Et de plus, même vous pouvez faire bon usage d'Amazon pour rediriger les clients dans votre propre site et avoir une visibilité sur votre marque. L'une des raisons les plus importantes pour lesquelles vous devez vendre sur Amazon, c'est parce que vous pouvez généralement facturer beaucoup plus cher pour vos produits en private label. Est-ce que vous avez déjà comparé les prix sur Amazon et sur eBay du même produit? Par exemple, sur eBay, vous pouvez trouver un t-shirt pareil à 5$ ou à 5€. Et si vous allez sur Amazon, vous pouvez trouver ce même t-shirt juste avec le logo d'un vendeur à 20€. Et voilà, c'est l'une des raisons principales à vendre sur Amazon. Lorsque vous êtes en train de construire votre marque sur Amazon, vous pouvez augmenter vos prix parce que les clients vous font déjà confiance et connaissent votre marque. Contrairement à un site web qui est quelque part sur Google que personne ne reconnaîtra et personne ne va trouver. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez aimé ces 10 raisons de vendre sur Amazon. Si vous êtes encore dans le doute pour vendre sur Amazon, j'ai un coaching qui peut vous amener à comprendre beaucoup plus davantage la vente sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description et sur le premier commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé de la valeur, de la partager et de vous abonner également. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. On est ensemble. Ciao.